Michelin. Mesdames et messieurs, le fameux Bibendum Michelin. Bonjour à tous et bienvenue à notre événement Michelin Live Experience 2022. Je suis votre hôtesse Florence et je suis ravie d'avoir été invitée à présenter cet événement unique. Alors, en toute honnêteté, je ne suis pas experte en pneus. Ce qui me passionne, personnellement, c'est l'aventure. Faire de nouvelles rencontres, visiter de nouveaux endroits, sortir des sentiers battus, vivre la vie au maximum et, je l'espère, raconter plein d'histoires qui vous inspireront autant que moi. En parlant d'histoire, laissez-moi vous en raconter une qui m'a vraiment inspirée, étant moi-même entrepreneur. C'était il y a plus d'un siècle. En 1989, deux frères pionniers, André et Édouard Michelin, décident de tout risquer pour lancer leur propre entreprise de pneumatiques dans une toute petite ville des Alpes françaises. À l'époque, il n'y avait qu'environ 3000 voitures dans toute la France. Mais ces deux jeunes visionnaires, très en avance sur leur temps, sortaient déjà des sentiers battus. En effet, ces génies du marketing ont très vite compris qu'en encourageant les gens à voyager davantage, les ventes de pneus seraient stimulées. Ils ont donc eu l'idée de concevoir un guide complet pour aider les voyageurs dans leur voyage. C'est comme ça qu'en 1900, la toute première édition du guide Michelin est publiée. Le reste, comme vous le savez, appartient à l'histoire. J'adore cette anecdote. Elle représente vraiment les valeurs de la marque Michelin et résonne parfaitement avec ceux d'entre nous qui aiment repousser les limites, voyager et découvrir. Non seulement pour notre développement personnel, mais aussi pour la planète et ceux qui nous entourent. Ça me fait penser à une citation d'Anthony Bourdin, un chef talentueux et le présentateur de l'une de mes émissions préférées, Hearts Unknown, qui dit « Si je ne dois défendre qu'une seule chose, c'est du fait de bouger. Bougez aussi loin que vous le pouvez, autant que vous le pouvez, que ce soit de l'autre côté de l'océan ou simplement de l'autre côté de la rivière. Le fait de se mettre autant que possible à la place de quelqu'un d'autre ou de simplement goûter à sa nourriture, c'est ce qui nous fait tous avancer. Alors ouvrez votre esprit, levez-vous du canapé et bougez. » Vous voyez, c'est là que j'interviens. J'adore explorer. Qu'il s'agisse de faire des balades à vélo ou de rencontrer de nouvelles personnes dans un pays lointain, l'aventure fait partie de ma personnalité. Au cours de l'heure qui vient, je vous raconterai quelques-unes de mes propres histoires. Nous accueillerons aussi les experts Michelin ainsi que des invités fascinants, des influenceurs dans les domaines du voyage, de la gastronomie et de l'aventure. Je suis impatiente de vous raconter quelques-unes de mes aventures préférées et adorerais connaître les vôtres. Alors n'hésitez pas à les partager avec nous en utilisant le hashtag Michelin Live Experience. Nous avons également une surprise. Vous avez la chance de gagner 2 sets de pneus gratuits offerts par Michelin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre à un petit questionnaire en cliquant sur le lien dans la description et de participer au tirage au sort. En attendant, tenez-vous prêts pour le spectacle. Est-ce que vous aussi, vous avez votre endroit préféré pour commencer la journée? Moi, c'est la plage. J'y vais dès que je me lève, pour une petite balade, un petit jogging. Ça me permet vraiment de commencer la journée sur une bonne note. Je sais ce que vous pensez. La plage, à 6h du matin. Et pourtant, vous seriez vraiment surpris du nombre de personnes qui y sont. Après ma balade matinale, je rentre me préparer. Comme ma sœur travaille très tôt, je l'aide souvent à s'occuper de mon neveu et de ma nièce. Je les prépare, puis en voiture. Après les avoir déposés à l'école, direction le travail. Comme je suis souvent sur le terrain, je conduis tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente. Et, vous le savez aussi bien que moi, une conduite confortable, ça fait toute la différence au quotidien. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous présente le pneu Michelin Primacy 4 Plus. Waouh, c'était vraiment cool. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le pneu parfait pour vos trajets au quotidien. Pour en revenir à ce que je disais, ma journée ne s'arrête pas là. Une fois que j'ai terminé le travail, je pars emmener les enfants pour leurs activités extrascolaires.
Mon neveu fait du foot et ma nièce prend des cours de karaté. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, mon coffre est rempli de toutes sortes d'affaires farfelues. Voici un aperçu de ce que vous pouvez attendre du pneu Michelin Primacy 4 Plus. Comme vous le voyez, qu'il pleuve ou qu'il vente, ce pneu offre des performances exceptionnelles en matière de freinage, autant sur sol sec que mouillé, ainsi qu'un meilleur contrôle de l'aquaplaning. Le pneu Michelin Primacy 4 Plus est conçu pour vous protéger, vous et vos passagers, kilomètre après kilomètre. Une plus grande sécurité, faite pour durer. Une fois de plus, n'oubliez pas de partager vos histoires avec nous en utilisant le hashtag Michelin Live Experience. Vous avez également la chance de gagner 2 sets de pneus gratuits offerts par Michelin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre à un petit questionnaire en cliquant sur le lien dans la description et de participer au tirage au sort. Comme mes journées sont très chargées, j'ai souvent besoin de prendre du temps pour moi et de m'éloigner de tout. Du coup, pour me détendre le soir, je pars souvent faire un tour en voiture. J'adore cette sensation de conduire sur des routes vides, sans rien d'autre que ma musique, la lueur des lampadaires et cette sensation de rouler fluidement sur une route complètement seule. Ça m'arrive de conduire pendant des heures, perdu dans mes pensées, sans direction. Je vais là où le vent m'emmène, je perds la notion du temps, c'est mon moment à moi. Puis, au bout d'une heure ou deux, je m'arrête dans un petit restaurant pour manger un bout avant de faire demi-tour et rentrer chez moi. Imaginez passer un moment dans le calme complet, à conduire seul en ville, isoler tout pendant que tout le monde dort. C'est comme si la ville était à vous, ce sentiment de liberté. Et si vous deviez deviner l'une des pièces maîtresses qui permet ce sentiment de fluidité ? Eh oui, les pneus qui m'ont accompagné dans ce beau voyage. Mesdames et messieurs, je vous présente le Michelin Pilot Sport 5. Yeah.
Baba Michelin. Mesdames et messieurs, le fameux Bibendum Michelin. Bonjour à tous et bienvenue à notre événement Michelin Live Experience 2022. Je suis votre hôtesse Florence et je suis ravie d'avoir été invitée à présenter cet événement unique. Alors, en toute honnêteté, je ne suis pas experte en pneus. Ce qui me passionne, personnellement, c'est l'aventure. Faire de nouvelles rencontres, visiter de nouveaux endroits, sortir des sentiers battus, vivre la vie au maximum et, je l'espère, raconter plein d'histoires qui vous inspireront autant que moi. En parlant d'histoire, laissez-moi vous en raconter une qui m'a vraiment inspirée, étant moi-même entrepreneur. C'était il y a plus d'un siècle. En 1989, deux frères pionniers, André et Édouard Michelin, décident de tout risquer pour lancer leur propre entreprise de pneumatiques dans une toute petite ville des Alpes françaises. À l'époque, il n'y avait qu'environ 3000 voitures dans toute la France. Mais ces deux jeunes visionnaires, très en avance sur leur temps, sortaient déjà des sentiers battus. En effet, ces génies du marketing ont très vite compris qu'en encourageant les gens à voyager davantage, les ventes de pneus seraient stimulées. Ils ont donc eu l'idée de concevoir un guide complet pour aider les voyageurs dans leur voyage. C'est comme ça qu'en 1900, la toute première édition du guide Michelin est publiée. Le reste, comme vous le savez, appartient à l'histoire. J'adore cette anecdote. Elle représente vraiment les valeurs de la marque Michelin et résonne parfaitement avec ceux d'entre nous qui aiment repousser les limites, voyager et découvrir. Non seulement pour notre développement personnel, mais aussi pour la planète et ceux qui nous entourent. Ça me fait penser à une citation d'Anthony Bourdin, un chef talentueux et le présentateur de l'une de mes émissions préférées, Parts Unknown, qui dit « Si je ne dois défendre qu'une seule chose, c'est du fait de bouger. Bougez aussi loin que vous le pouvez, autant que vous le pouvez. Que ce soit de l'autre côté de l'océan ou simplement de l'autre côté de la rivière. Le fait de se mettre autant que possible à la place de quelqu'un d'autre ou de simplement goûter à sa nourriture, c'est ce qui nous fait tous avancer. Alors ouvrez votre esprit, levez-vous du canapé et bougez. » Vous voyez, c'est là que j'interviens. J'adore explorer. Qu'il s'agisse de faire des balades à vélo ou de rencontrer de nouvelles personnes dans un pays lointain, l'aventure fait partie de ma personnalité. Au cours de l'heure qui vient, je vous raconterai quelques-unes de mes propres histoires. Nous accueillerons aussi les experts Michelin ainsi que des invités fascinants, des influenceurs dans les domaines du voyage, de la gastronomie et de l'aventure. Je suis impatiente de vous raconter quelques-unes de mes aventures préférées et adorerais connaître les vôtres. Alors n'hésitez pas à les partager avec nous en utilisant le hashtag Michelin Live Experience. Nous avons également une surprise. Vous avez la chance de gagner 2 sets de pneus gratuits offerts par Michelin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre à un petit questionnaire en cliquant sur le lien dans la description et de participer au tirage au sort. En attendant, tenez-vous prêts pour le spectacle. Est-ce que vous aussi, vous avez votre endroit préféré pour commencer la journée ? Moi, c'est la plage. J'y vais dès que je me lève, pour une petite balade, un petit jogging. Ça me permet vraiment de commencer la journée sur une bonne note. Je sais ce que vous pensez. La plage, à 6h du matin. Et pourtant, vous seriez vraiment surpris du nombre de personnes qui y sont. Après ma balade matinale, je rentre me préparer. Comme ma sœur travaille très tôt, je l'aide souvent à s'occuper de mon neveu et de ma nièce. Je les prépare, puis en voiture. Après les avoir déposés à l'école, direction le travail. Comme je suis souvent sur le terrain, je conduis tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente. Et, vous le savez aussi bien que moi, une conduite confortable, ça fait toute la différence au quotidien. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous présente le pneu Michelin Primacy 4+. Waouh, c'était vraiment cool. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le pneu parfait pour vos trajets au quotidien. Pour en revenir à ce que je disais, ma journée ne s'arrête pas là. Une fois que j'ai terminé le travail, je pars emmener les enfants pour leurs activités extrascolaires.
Mon neveu fait du foot et ma nièce prend des cours de karaté. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, mon coffre est rempli de toutes sortes d'affaires farfelues. Voici un aperçu de ce que vous pouvez attendre du pneu Michelin Primacy 4 Plus. Comme vous le voyez, qu'il pleuve ou qu'il vente, ce pneu offre des performances exceptionnelles en matière de freinage, autant sur sol sec que mouillé, ainsi qu'un meilleur contrôle de l'aquaplaning. Le pneu Michelin Primacy 4 Plus est conçu pour vous protéger, vous et vos passagers, kilomètre après kilomètre. Une plus grande sécurité, faite pour durer. Une fois de plus, n'oubliez pas de partager vos histoires avec nous en utilisant le hashtag Michelin Live Experience. Vous avez également la chance de gagner 2 sets de pneus gratuits offerts par Michelin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre à un petit questionnaire en cliquant sur le lien dans la description et de participer au tirage au sort. Comme mes journées sont très chargées, j'ai souvent besoin de prendre du temps pour moi et de m'éloigner de tout. Du coup, pour me détendre le soir, je pars souvent faire un tour en voiture. J'adore cette sensation de conduire sur des routes vides, sans rien d'autre que ma musique, la lueur des lampadaires et cette sensation de rouler fluidement sur une route complètement seule. Ça m'arrive de conduire pendant des heures, perdue dans mes pensées, sans direction. Je vais là où le vent m'emmène, je perds la notion du temps, c'est mon moment à moi. Puis, au bout d'une heure ou deux, je m'arrête dans un petit restaurant pour manger un bout avant de faire demi-tour et rentrer chez moi. Imaginez passer un moment dans le calme complet, à conduire seul en ville, isolé de tout pendant que tout le monde dort. C'est comme si la ville était à vous, ce sentiment de liberté. Et si vous deviez deviner l'une des pièces maîtresses qui permet ce sentiment de fluidité ? Eh oui, les pneus qui m'ont accompagné dans ce beau voyage. Mesdames et messieurs, je vous présente le Michelin Pilot Sport 5. Thank you.
Ça, c'est un voyage que j'adorerais faire. Je l'avoue, je le préférerais de nuit, mais je vais pas faire la difficile, ça a l'air génial. Vivez chaque moment de conduite avec intensité et amplifiez vos performances sportives faites pour durer avec le pneu Michelin Pilot Sport 5, conçu pour offrir un haut niveau de réactivité et de précision. Profitez au maximum de votre expérience de conduite pendant encore plus de kilomètres. L'association de haute performance et d'un esthétisme racé. N'oubliez pas de partager vos histoires avec nous en utilisant le hashtag Michelin Live Experience. Nous vous offrons également la chance de gagner 2 jeux de pneus gratuits offerts par Michelin. Il vous suffit de répondre au questionnaire en cliquant sur le lien dans la description. J'ai le grand plaisir de vous présenter notre invitée très spéciale, venue tout droit du Maroc, Hind Abator. Elle est connue comme l'une des plus grandes passionnées d'automobile d'Afrique du Nord. Jetons un coup d'œil rapide à ce qu'elle fait. Ça, c'est impressionnant. Accueillons chaleureusement notre invité du jour, Hind. Bonjour Hind, comment vas-tu? Oui, bonjour, ça va et toi? Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Merci encore une autre fois pour votre invitation. Merci beaucoup d'être venue. Alors dis-moi, qu'est-ce qui a fait naître ta passion pour les voitures et l'industrie automobile? Franchement, je suis née dans une famille passionnée de la course automobile, notamment mon père qui était un grand fan de voitures, d'aventures, de la mécanique aussi. Donc, il m'a transmis cet amour-là et j'ai trop adoré cette passion et je l'ai pratiquée. Donc, tu as baigné dans l'automobile depuis que tu étais toute petite. Quelle voiture était ton premier amour? Franchement, j'ai passé pas mal de voitures. Mais mon premier amour était à ma voiture de course. C'est une Seat. Je l'ai beaucoup aimée, j'ai beaucoup adoré. Elle est rapide, avec beaucoup de puissance. C'était mon premier amour, si vous voulez. Je comprends parfaitement. Quelques-unes avec nous? Oui, bien sûr. Je vais vous parler d'un voyage que j'ai fait avec mon mari. On a fait énormément de rencontres mémorables. On a passé un agréable moment. On a fait le tour du Maroc. On a fait des montagnes, des autoroutes, même le désert. On est passé même au désert. Donc, c'était vraiment une très belle expérience que je ne vais jamais oublier parce que franchement, je n'ai jamais fait le tour du Maroc. Et l'année dernière, on l'a fait ensemble. C'était agréable. Super. Tu l'as fait avec ton mari du coup. Et d'habitude, est-ce que tu préfères conduire seule ou est-ce que tu préfères conduire accompagnée? Franchement, je préfère conduire seule, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que puisque moi j'aime la course, j'aime rouler avec une grande vitesse pour ne pas risquer avec ma famille ou bien mes amis. Je préfère toujours rouler toute seule. Comme ça, je me sens plus à l'aise. Je cours librement sans aucun problème. Je comprends parfaitement. Je ne suis pas une pilote, mais moi aussi je préfère conduire seule. Avant de continuer avec les questions, laissez-moi vous présenter le Primacy SUV+. Waouh, regardez-moi ça.
Alors dis-moi, Hind, on sait que tu adores faire des road trips avec tes enfants. Est-ce que tes enfants apprécient-ils autant le trajet ou est-ce qu'ils sont plus intéressés par la destination? Franchement, mon fils préfère plus le voyage en lui-même car il est passionné du monde automobile. Contrairement à ma fille, qui est plus intéressée à la destination due à son jeune âge, elle a que 8 ans. Donc pour elle, la destination compte beaucoup plus qu'autre chose. Oui, je comprends. En général, est-ce que tu connais toujours ta destination finale ou ça t'arrive de partir à l'aventure sans savoir où la route te mène? Habituellement, je planifie mes voyages pour mes enfants notamment et pour ne pas prendre des risques. Peut-être quand je voyage toute seule, je ne planifie pas. Je serai plus libre de prendre ma destination, de voyager quand je veux et sans aucun problème. Mais avec mes enfants, c'est autre chose. Oui, je comprends. Je suppose que vous partez beaucoup le week-end. Dans quel genre d'endroit est-ce que tu aimes aller? Oui, généralement, je pars voir ma famille qui n'habite pas dans la même ville que moi. Elle habite dans une ville un peu loin de chez moi. Donc, j'essaie chaque week-end d'y aller pour leur rendre visite et pour se débarrasser de la routine de la semaine. Au moins, le week-end, on essaie de casser la routine. Ah, des petits road trips. Et du coup... Ouais, exact. Quel est le retour? Je pense je l'ai fait l'année dernière avec mon mari. C'était un long voyage. On a fait le tour du Maroc. On est passé par plusieurs villes avec des. On a vu des montagnes, le Sahara aussi. On a vu tout le Maroc dans ce voyage-là qui restera toujours gravé dans ma mémoire et je l'oublierai jamais. Super. Alors, j'ai une question un petit peu spéciale. Si la vie était un voyage, comment le décrirais-tu? Je vais dire que c'est comme une longue route avec des hauts et des bas. Je suis parfaitement d'accord. Alors, dis-moi. Comment est-ce que Michelin t'accompagne le long de ton voyage? Franchement, avant, je ne m'intéressais plus aux pneus. Surtout si je parle du côté course automobile, je m'intéressais beaucoup au moteur, freinage et d'autres choses. Mais pour les pneus, je prendrais n'importe quelle marque. Je ne m'intéressais pas vraiment à ça avant. Mais une fois que je suis partie en France pour faire un test drive là-bas, j'ai testé une voiture avec des pneus Michelin. J'ai vraiment senti la différence. Une fois que je suis revenue au Maroc, j'ai changé tous mes pneus avec Michelin, soit mes voitures personnelles, soit mes voitures de course. Et je pense grâce à Michelin, j'ai pu réaliser mon rêve. Je me suis classée la première en championnat du Maroc pendant 5 années successives. Pourtant, je suis la seule femme actuellement qui pratique ce sport-là au Maroc. Et j'ai réalisé, comme je vous ai dit, ce rêve que j'ai toujours trouvé un peu difficile. Mais grâce à Pneus Michelin, c'était trop facile pour moi. Parce que j'ai choisi Michelin parce que grâce à leur durabilité, la tenue de route, grâce à sa conduite la plus souple, grâce à sa durée de vie, et tu sens toujours que la voiture, elle est plus réactive. Même ma voiture personnelle, j'ai senti vraiment la différence. Je sens plus de sécurité, surtout en voyageant avec mes enfants, en famille. Vraiment, je ne regrette pas pour ce choix-là. Félicitations pour ta première place et ça me fait vraiment chaud au cœur, surtout en tant que femme. Merci encore à Hind d'avoir partagé son expérience avec nous. Et maintenant, regardons de plus près le Primacy SUV+.
Ça me laisse sans voix. C'est vraiment parfait si vous avez un SUV. Avant de poursuivre, laissez-moi aussi vous présenter notre seconde offre dans le segment des SUV, le LTX Trail. C'est le pneu idéal pour sortir des sentiers battus où vous soyez. Conçu pour moins de bruit et plus de confort, quel que soit l'endroit où vous devez aller, le LTX Trail vous y conduira. Michelin LTX Trail. Michelin LTX Trail on and off-road tires. La sécurité, faite pour durer. Concentrez-vous simplement sur la destination et laissez-nous la route. Ok, au suivant. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager vos histoires avec nous en utilisant le hashtag Michelin Live Experience. Participez aussi au tirage au sort pour gagner deux jeux de pneus offerts par Michelin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien en description et de remplir les questionnaires. Tout de suite, accueillons une personne très spéciale au sein de l'équipe Michelin. Merci d'accueillir avec moi Marie, qui est ici aujourd'hui pour nous parler de ce que Michelin nous réserve dans un avenir proche. Bonjour Marie. Bonjour Florence. Merci d'être venue. Alors dis-moi, en quoi consiste l'expérience Michelin ? Comme tu le sais Florence, Internet est vraiment un portail sur le monde qui nous permet de découvrir sans limite des nouvelles destinations et de faire des découvertes. Ceci nous pousse à vouloir aller toujours plus loin et à vivre des nouvelles expériences. Et c'est vraiment là que commence la mission de Michelin. Comme vous le savez tous, Michelin c'est avant tout des pneus. Ces pneus qui ont pour mission d'offrir à tous les conducteurs la meilleure expérience tout au long de leur voyage sur la route. De la sécurité à la longévité, du confort à l'efficacité énergétique, nous mettons toute notre expertise pour vous assurer un voyage en toute tranquillité et ce, quel que soit le terrain. Évidemment, vous pensez aux pneus de voiture, mais Florence, notre mission ne s'arrête pas là. Tout ce qui roule peut être équipé en Michelin. Le bus, le vélo, la moto, l'avion que tu prends pour aller en vacances, et également le métro dans les grandes villes. Tous ces moyens de transport sont équipés en Michelin. Également, nous avons les guides. Beaucoup d'entre vous, je suis sûre, ne le savent pas. Le guide vert, le guide rouge, c'est bien la même entreprise. Ces guides ont pour fonction d'aider le voyageur dans ses découvertes. Ces découvertes qui sont aussi des expériences de gastronomie, des expériences de voyage, découvrir des lieux insolites, de nouvelles cultures. C'est exactement ce qu'on essaye de faire, d'offrir ces expériences à travers le monde et tout au long de votre vie. Le guide Michelin. Alors, tu as mentionné le guide rouge, je me dois te poser la question. Est-ce que le guide rouge va être disponible dans la région bientôt ? Eh bien oui, Florence, la nouvelle est tombée très récemment. Le guide arrive pour la première fois dans la région. Aujourd'hui, le guide rouge couvre 35 destinations et les Émirats Arabes Unis, dont Dubaï, va être la 36e destination du guide. Dubaï, l'une des étoiles brillantes des 7 Émirats Arabes, est vraiment devenue l'une des principales destinations mondiales pour les affaires et le tourisme. Cette ville a une histoire riche qui remonte à des millénaires et comprend des influences de nombreuses cultures. La cuisine arabe et d'autres cuisines du Moyen-Orient restent populaires. Et maintenant, la diversité de la population et la popularité de Dubaï ont conduit la ville à posséder l'une des collections de restaurants les plus cosmopolites et les plus diverses au monde. Et ce sont ces pépites que nous voulons vous faire découvrir et avoir des nouveaux chefs étoilés dans cette ville. J'ai vraiment hâte. Alors dis-moi, que réserve l'avenir pour Michelin ? L'avenir pour Michelin, c'est deux mots-clés : durabilité
et la mobilité du futur. Sur la durabilité, pour demain, pour Michelin, tout sera durable. Cette démarche nous pousse en permanence à trouver des solutions pour une mobilité à la fois plus sûre, plus accessible, plus efficiente et plus respectueuse de l'environnement. C'est ainsi que nous définissons notre meilleure façon d'avancer. Peut-être le sais-tu ? D'ici 2030, 40% des matériaux seront durables dans nos pneus. Et d'ici à 2050, 100%. Cette mission nous a conduit à développer le nouveau pneu iconique que nous appelons Vision. Et ce pneu est vraiment pour la mobilité du futur. Ceci m'amène à vous parler de que va-t-il se passer pour demain ? Comme tu le sais, aujourd'hui, de plus en plus de véhicules électriques sont disponibles sur le marché. Et nous sommes là pour accompagner ce transfert et ce changement dans la mobilité du quotidien. Un changement important. Pourquoi ? Parce que quelque part, ça va nous amener à avoir une mobilité plus durable, plus respectueuse de l'environnement. Et nous voulons accompagner cette croissance et ce changement positif pour la planète et l'humanité. Nous avons déjà deux nouvelles gammes de pneus dont nous allons parler plus en détail par la suite. Le Michelin Pilot Sport EV ainsi que le Michelin e-Primacy, spécialement développé pour les véhicules électriques et hybrides du marché. Waouh, c'est vraiment très impressionnant. Merci beaucoup Marie pour ton expertise et tout de suite, passons au segment suivant. Merci Florence. Au revoir. Au revoir. Waouh, cette conversation avec Marie me fait vraiment réfléchir. Est-ce que vous aussi, vous vous demandez à quoi ressemblera l'avenir ? Les prochaines générations ? J'ai tellement de questions. Quels seront les nouveaux emplois, la famille, la vie au quotidien ? Ou tout simplement, à quoi ressembleront les voitures et les villes du futur ? Je pense par exemple aux voitures électriques et hybrides qui offrent déjà de nouvelles expériences de conduite extrêmement souples, tout en étant une solution durable pour la planète. Si vous avez un véhicule électrique, vous savez à quel point ces voitures sont silencieuses, ce qui fait de leur conduite l'une des plus paisibles qu'il soit. Imaginez un futur dans lequel la norme serait d'avoir un véhicule électrique. Les bâtiments, les routes, les voitures, tout serait futuriste, tout serait durable. Et vos pneus, ils devront évidemment être à la hauteur. Et si je vous disais qu'il était inutile d'imaginer, parce que le futur est déjà là. Regardez-moi ça. Je me demande dans combien de temps on vivra dans un endroit comme ça. Honnêtement, j'ai conduit des voitures électriques magnifiques. Et pour tout dire, ce sont les pneus qui font toute la différence. Tout le monde sait que les véhicules électriques sont la solution véritablement durable pour nos déplacements. C'est pourquoi chez Michelin, la démarche tout durable est au cœur des préoccupations pour trouver en permanence des solutions pour une mobilité plus sûre, plus accessible, plus efficiente et plus respectueuse de l'environnement. En effet, Michelin a récemment annoncé que les concepteurs, ingénieurs et chimistes sont déjà en train de développer des pneus qui seront entièrement fabriqués à partir de matériaux renouvelables, recyclés, biosourcés et durables. Tout ça dans les 30 prochaines années. Des nouveautés telles que des pneus sans air, connectés ou auto-régénérants, aux bandes de roulement modifiables imprimées en 3D, aux avancées majeures dans le recyclage de pneus à l'analyse de leur cycle de vie, Michelin ouvre la voie à un avenir plus propre et plus vert. Il ne s'agit pas seulement de pneumatiques. Depuis 20 ans, Michelin s'est engagé dans le développement de systèmes fonctionnant à l'hydrogène, convaincu qu'il s'agit d'un élément essentiel de la mobilité propre et d'une solution potentielle pour lutter contre les émissions de CO2 et la pollution atmosphérique.
Michelin est également à l'avant-garde dans le domaine des pneus pour véhicules électriques avec le pneu Michelin Pilot Sport EV et le pneu Michelin e-Primacy, les derniers d'une longue série de pneus haut de gamme pour véhicules électriques et hybrides. Le pneu Michelin Pilot Sport EV, qui s'inspire de la Formula E, est un pneu éco-conçu et silencieux qui offre un plaisir de conduite et un contrôle fait pour durer à vos véhicules électriques sportifs. En plus du pneu Michelin Pilot Sport EV, nous avons aussi développé le pneu Michelin e-Primacy. Économisez sur votre consommation de carburant, réduisez votre émission de CO2 et augmentez la durée de vie de votre batterie. Éco-conçu, fait pour durer. Eh bien, Michelin nous prépare vraiment beaucoup de choses pour le futur. C'est ici que je vous laisse, avec une citation de l'un des plus grands explorateurs du monde arabe, Ibn Battuta, qui a écrit un jour « Le voyage. D'abord, il vous laisse sans voix, puis vous transforme en conteur. » C'est un sentiment avec lequel André et Édouard Michelin seraient sans doute d'accord, et j'espère que vous l'êtes aussi. Alors continuez à partager vos histoires avec le plus grand nombre de personnes possible, car elles nous inspirent tous. Merci encore à nos invités d'honneur, Hind et Marie, et merci à vous d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de partager vos histoires en utilisant le hashtag Michelin Live Experience et de participer au tirage au sort pour gagner 2 sets de pneus Michelin. Vous avez simplement à cliquer sur le lien dans la description et remplir un petit formulaire. Au nom de Michelin et de moi-même, je vous souhaite à tous de merveilleuses aventures où que vous soyez. Rappelez-vous de toujours conduire en toute sécurité et de ne jamais cesser de chercher de meilleures façons d'avancer.